Voilà, maintenant je vais parler en anglais. Je m'appelle Pauline Massa. Je suis partenaire chez CIS Visa Partenaire et je fais partie de l'équipe renseignement à Bruxelles. Nous travaillons sur la recherche, tout ce qui est prospective auprès des institutions de l'Union européenne et aussi des clients privés. Je suis très heureuse de vous accueillir ici. Et nous allons nous concentrer sur les défis humains et sociétaux pour faire, pour construire leur capacité cyber. Évidemment, ce n'est pas une thématique nouvelle. La FIC, le FIC a été une plateforme entre les recruteurs et les autres. Donc, je vais vous poser la question. Tout d'abord, quelle que soit la difficulté de recrutement pour le secteur privé, les grandes entreprises et les petites entreprises, la question est très difficile pour le secteur public, que ce soit le commandement militaire ou tout ce qui est les administrations publiques. Évidemment, on a une pénurie de personnel. Et aussi, qu'en est-il des salaires et tout ce qui est incitant économique? C'est aussi une question de motivation des jeunes pour travailler pour le gouvernement, que ce soit militaire ou civil. Et c'est aussi une question de besoins spécifiques du niveau national et international. Donc, nous avons un panel extraordinaire, Mario Bech à ma droite, et qui travaille à l'OTAN, à ma gauche, le colonel qui est cybercommandeur en Tchéquie, et puis monsieur qui est responsable de l'organisation cybersécurité de la Roumanie, et monsieur qui jusqu'à présent était le représentant militaire de la France auprès de l'OTAN et des Nations Unies. Je vais vous donner la parole d'abord. Vous êtes évidemment un chargé à l'OTAN. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage par rapport à vos objectifs et comment vous abordez les besoins des capacités pour atteindre ces objectifs? Comment ou que faites-vous pour gérer votre personnel? Quelle est l'approche de l'OTAN par rapport au recrutement de tout ce qui est personnel cyber? Un grand merci, mesdames, messieurs. Merci de m'avoir accueilli. On pourrait dire beaucoup de choses et expliquer pour répondre à cette question. D'abord, je vais essayer de clarifier. D'abord, les 31 nations qui composent l'OTAN. D'abord, l'OTAN doit évidemment protéger la population. Ça, c'est très important. L'OTAN a été créée et cette semaine, nous célébrons les 74 ans de la création de l'organisation. Alors, pour ce qui est de mon rôle, comme l'a dit madame, l'OTAN est aussi une organisation en soi. Nous avons différents systèmes, différentes priorités, différents objectifs établis par les nations. C'est ce qu'on appelle l'OTAN comme entreprise, comme organisation. Et cette organisation a un certain nombre de similitudes pour ce qui est de la cybersécurité par rapport à d'autres instances, que ce soit des entreprises ou des lieux qui ne cherchent pas le profit. Pour ce qui est de la cybersécurité, d'abord, le domaine politique, d'abord la cyberdéfense, ce sont des questions politiques, il y a une signification politique. Je ne dois pas vous dire à quel point cela est devenu important avec l'invasion de l'Ukraine. Il y a une signification politique par rapport à tout ce qui est fait dans l'espace cyber. Deuxième sphère, c'est ce qu'on appelle la sphère militaire.
commissaire, l'OTAN reconnaît depuis 2016 la cyberespace comme un lieu militaire. Il s'agit d'une dimension où les objectifs militaires peuvent être réalisés. Donc, on doit construire les capacités, les compétences, les processus, la doctrine qui est nécessaire à cet effet. Troisième élément, c'est la technologie. Et en dehors de cette porte, on a beaucoup de stands, d'entreprises qui présentent des produits, des technologies. Et justement, c'est là-dessus qu'on se concentre. Donc, la technologie dont on a besoin, quels sont les processus dont on a besoin. Si vous examinez ces points, mon bureau a été créé pour fournir une orientation stratégique à cet écosystème. Notre rôle, donc nous sommes le seul point de cybersécurité dans l'organisation, nous devons voir comment chacune des composantes fonctionne dans la maison, quels sont les objectifs, la stratégie, les aligner avec les ambitions des nations et donner une orientation stratégique à l'ensemble de la famille. Voilà ce que fait notre bureau. Bien sûr, nous avons d'autres fonctions opérationnelles et lorsqu'il y a un grand incident qui couvre qui va au-delà des nations, donc c'est là que arrive mon équipe. Nous traitons également les risques de l'organisation, donc tout ce qui est informatique. Nous examinons la façon dont de nouvelles façons, nouvelles technologies, l'obsolescence, la pénurie de compétences a un impact sur l'organisation et comment on peut avancer. Voilà donc en quelques mots la mission, notre mission. Madame a parlé de la pénurie des compétences. Notre bureau a été créé en 2020. On était juste 3 personnes. Maintenant, nous sommes 40 et nous espérons être 100 personnes l'année prochaine. Donc, ces chiffres peuvent paraître insignifiants, mais à l'OTAN, c'est un chiffre énorme. Nous avons des processus énormes, très longs, et les organisations gouvernementales ont des processus de recrutement très longs, entre 18 à 36 mois. À partir du moment où vous annoncez le profil professionnel, au moment où on engage la première personne, 18 à 36 mois. En 36 mois, le monde de la cybersécurité a changé 3 fois. Mais donc, vous pouvez imaginer à quel point les choses sont compliquées. Deuxième problème que j'aurais mentionné, c'est que l'OTAN, comme beaucoup de vos organisations, nous pêchons dans le même marché, dans le même lac. Il faut en fait alimenter tout ce qui est santé, militaire, etc. Il y a une grande concurrence. Nous avons des gens qui répondent en quelques mois. Ils obtiennent une offre salariale, le double de ce qu'on peut offrir. Que faisons-nous? Et on revient à notre mission. Nous devons assurer la sûreté et la sécurité d'un milliard de personnes sur cette planète. C'est vraiment la plus grande mission que ces personnes peuvent obtenir. Les gens viennent travailler avec nous, pas pour l'argent, mais à cause des spécificités de ces défis. Donc, l'OTAN est très connue, les acteurs sont tout à fait de confiance. Par ailleurs, on a une mission très motivante et voilà, ça ce sont les arguments qui attirent les personnes dans notre organisation. Néanmoins, un autre élément dont je voudrais parler, c'est que nous recrutons les personnes et nous essayons de faire de notre mieux pour les garder. Donc ça, c'est la mentalité avant la génération Z. Ça ne fonctionne plus maintenant. Les gens arrivent, restent pendant quelques mois et s'en vont. Et il faut que l'on accepte cette question comme un élément permanent. Il faut que l'on traite cette question. On ne peut pas l'éviter. C'est un fait établi. Il faut qu'on s'y habitue. On doit ajuster nos processus et nos objectifs à ce défi-là.
Un dernier point, peut-être que je voudrais mentionner. Pauline déjà me dire qu'il faut arrêter. Donc, en tant qu'Italien, je parle toujours trop. Désolée. Autre chose, c'est que l'un des défis qu'on a relevé, c'est de faire les liens aux infrastructures. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans notre maison pour travailler sur les technologies et tout ce qui est informatique le plus récent. Dans de nombreuses organisations gouvernementales, nous avons un grand problème d'obsolescence de nos infrastructures. Nos infrastructures ont 30 ans et il y a eu différentes couches et couches et couches et les unes sur les autres. Aujourd'hui, nous avons un grand problème. Une autre question d'obsolescence, il y a quelques semaines, mon pays a décidé d'interdire ChatGPT et il y a encore 5 mois. Bon, peut-être que vous le savez, dans la plupart du monde, on ne savait même pas ce qu'était l'intelligence artificielle. Il a fallu 6 mois entre le moment où c'était l'obscurité totale jusqu'à ce que cette intelligence artificielle arrive dans les nouvelles auprès des gouvernements et soit tout à fait interdite. Mais que peut faire notre organisation pendant 6 mois pour s'ajuster? Je vais vous le dire, rien. En 6 mois, on ne remarque même pas ce qui se passe. Et ça, c'est l'une des dimensions de l'obsolescence avec laquelle on doit travailler et gérer. Voilà, Pauline, je vous redonne la parole. Merci. Ah, je me suis dit que quelqu'un allait parler de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est fait. Pour ce qui est de la concurrence par rapport au talent, oui, beaucoup de mes supérieurs sont ici dans la salle et beaucoup d'institutions essayent de faire face à cette question. Je donne la parole au colonel, vous êtes responsable des cybercommandes en Tchéquie. Comment est-ce que vous travaillez sur cette question des talents, donc le recrutement, le fait de garder ce personnel formé? Oui, voilà, il faut juste garder, il faut juste accepter que les gens ne vont pas lui rester de façon permanente. Est-ce que vous pensez que vous êtes en concurrence avec le secteur privé? Comment est-ce que vous collaborez avec les alliés sur cette question-là? Est-ce que vous échangez les meilleures pratiques en termes de recrutement, de loyauté ou le fait de retenir les salariés? Ah, je pose beaucoup de questions. Et comment vous traduisez vos besoins militaires spécifiques en politique de ressources humaines? Bon après-midi, merci pour vos questions. J'espère que je peux m'en souvenir. Je peux me souvenir de toutes les questions. Alors, nous devons aborder probablement les mêmes problèmes que monsieur. Donc, on est aussi une organisation militaire. Et afin de traiter cette question de ressources humaines ou de gestion des talents, on a décidé de faire venir les gens de la rue. Donc moi, je suis dans les opérations spéciales. Nous avons les mêmes approches dans les opérations spéciales. On n'a pas besoin de soldats spécialisés dans le cyber. On a décidé de prendre des jeunes et de les amener chez nous, de leur donner toute la formation nécessaire, tous les cours nécessaires, et commencer à zéro. Bon, c'est beaucoup plus facile apparemment pour travailler avec ces jeunes de cette façon-là, surtout ceux qui n'ont pas encore pris de décision et qui ne reçoivent pas d'offres du secteur privé. Par ailleurs, nous comprenons que ces personnes ne vont pas rester longtemps. La jeune génération, ce n'est pas notre génération de personnel militaire qui est arrivé dans le secteur militaire et qui reste toute sa vie. Donc, on leur donne 3 à 5 ans, ils peuvent alors décider si après ils peuvent rester ou partir ou rester et devenir des soldats de façon permanente. Donc, comme civils, ils viennent faire partie du secteur militaire, donc ils ne connaissent pas les opérations cyber.
Et maintenant, nous devons relever un défi. Est-ce qu'on commence avec les compétences techniques, ce dont ils ont besoin pour leur boulot, ou bien on leur donne aussi les compétences militaires? Et on a décidé de mettre ça à plus tard. Donc d'abord, on forme des techniciens, et s'ils décident de continuer leur carrière militaire, après les 5 ans, on commence à les former dans les, par rapport aux tactiques militaires. Et comment vous pouvez devenir un guerrier cyber? En fait, c'est de ça dont on a besoin. Et nous espérons que d'ici quelques années, cette approche apportera ses bénéfices lorsque les gens vont monter dans leur carrière et vont continuer leur croissance. Alors, avec notre directeur. Oui, en fait, on essaye de travailler avec l'OTAN, nous travaillons avec d'autres partenaires, on essaye de collaborer au niveau local avec nos différentes agences, par exemple l'agence de cybersécurité en République tchèque, donc on partage les cours de formation parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas très bon marché. Et donc, en fait, on partage tout ce qui est formation de l'OTAN aussi. C'est comme ça qu'on essaye de gérer les choses. Je vais m'arrêter ici. Ah, super. Ce qui m'intéresserait peut-être pendant le débat, si vous pouviez nous dire, bon, ces candidats qui sont, que vous avez, on va dire, engagés dans la rue, qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce qu'ils vont rester? Qu'est-ce qui va se passer après 5 ans? Maintenant, monsieur, vous êtes responsable de la cybersécurité en Roumanie. C'est une organisation civile, mais je suppose qu'il y a des similarités. Donc, vous avez de plus en plus de besoins pour vos services. Et je me répète, donc il y a vraiment une grande concurrence sur le marché de l'emploi. Est-ce que la Roumanie a une approche spécifique? Est-ce qu'il y a une approche gouvernementale d'ensemble? Monsieur disait qu'il travaille avec des agences dans le domaine civil. Est-ce que vous avez des initiatives spécifiques que vous pourriez partager avec nous? Et comme ça, les autres pourront peut-être s'en inspirer. On parle de concurrence. Donc, on se fait concurrence entre le secteur gouvernemental et le secteur privé. Je vais vous parler d'une véritable concurrence. En Roumanie, il y a 20 ans, on a créé l'agence de cybersécurité avec 1250 membres du personnel. Donc, c'est un chiffre sérieux. La première réaction, c'était, mais où est-ce qu'on va recruter toutes ces personnes? On a déjà des problèmes maintenant pour attirer, motiver, garder ce personnel. La conclusion est celle-ci. On doit éviter la cannibalisation. On doit éviter de faire bouger les experts à gauche et à droite. On a besoin de beaucoup de ressources et de talents, beaucoup plus. Donc, la cybersécurité, lorsqu'on arrive aux ressources humaines, c'est un domaine où les chiffres ont de l'importance. Ce n'est pas seulement une question de motivation, de compétence, c'est aussi une question de volume. Donc, ne soyons pas naïfs, essayons de reconnaître qu'on a besoin de trouver des méthodes pour obtenir des milliers et des milliers de diplômés chaque année. On a besoin de milliers de spécialistes formés et qui se reforment encore, qui suivent des formations en plus. Lorsque j'étais ici au FIC hier et aujourd'hui, je me suis dit, eh bien, tout un chacun, toutes ces entreprises recherchent les mêmes personnes. Nous voulons les meilleurs et les plus intelligents. Nous voulons des experts, des personnes qui peuvent fonctionner comme ça, en une minute, en une heure, en une journée.
des personnes qui sont très souples, très mobiles, pas seulement sur leur lieu de travail, mais aussi dans les domaines qu'ils couvrent, qu'ils peuvent bouger, changer de spécialité selon les nouvelles technologies. Et on l'a vu ici ces jours-ci. Mon Dieu, ces organisations, ces entreprises produisent de nouvelles technologies, de nouvelles solutions à une vitesse incroyable comparée à ce qui se faisait il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc nous voyons vraiment une toute nouvelle dynamique. Pour un petit récapitulatif, en Roumanie, on a cette approche tout inclus. Nous pensons qu'il faut construire les compétences au niveau national et aussi il faut contribuer à l'OTAN, à l'Union européenne. Et il faut des efforts énormes de la part de toutes les autorités compétentes gouvernementales, de la part des universitaires et du secteur industriel. Sinon, ce n'est pas possible d'avoir tout cet ensemble de talents dont on a besoin et on doit coopérer étroitement. Un dernier exemple, bon, je ne dois pas le dire parce que je représente une autorité gouvernementale, mais on doit arrêter et on doit vraiment parler ouvertement des talents dont on a besoin entre les différents ministères, que ce soit les militaires, les civils, le renseignement et les entreprises également. Tout le monde se dit, est-ce qu'on va parler franchement pour dire pendant 5 ans, les 5 prochaines années, j'ai besoin de telles compétences à cause des questions de confidentialité, de stratégie. On ne veut pas vraiment divulguer tout ce qui passe chez nous. Personnellement, je pense que tout d'abord, lorsqu'on parle des talents, il faut vraiment parler franchement et pour former cet ensemble de talents. Et ne soyons pas naïfs. Personne ne peut prédire ce qui va se passer dans 3 ans. En 3 ans, déjà, le monde a changé 20 fois. Pour ce qui est des ressources humaines, plus particulièrement, en fait, c'est vraiment super important dans la cyberdéfense et la cybersécurité. Honnêtement, on devrait avoir 10 fois plus de talents que ce à quoi on pense aujourd'hui. Merci. Oui, je voudrais peut-être revenir à un moment donné à la coopération entre vos différentes organisations et le monde universitaire et les écoles. Mais avant, monsieur, peut-être, qui était le représentant militaire de la France auprès des Nations Unies jusqu'il y a peu. Donc, vous avez travaillé au niveau national en France, mais aussi vous avez travaillé dans le cadre de l'OTAN, des Nations Unies. Donc, ma question, c'est qui mène le jeu pour ce qui est de cette course au talent, mais aussi qui doit mener ce jeu? Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les défis essentiels ou les obstacles principaux Merci, que vous Pauline. Rencontrez? Donc, je suis celui qui va parler en français, et suffisamment lentement pour que l'interprétariat se fasse dans les temps. Ma première réaction est de dire, en fait, Mario nous a fait un peu peur tout à l'heure, mais il est vrai qu'il a mis le doigt sur le sujet critique qui est celui de la capacité d'adaptation de nos organisations, ces organisations qui portent in fine la responsabilité devant les citoyens de la capacité collective à agir de façon responsable et coordonnée dans le domaine cyber. C'est ça que je trouve un peu nouveau finalement dans ce domaine-là. L'autre chose également qui est très particulier au domaine cyber, c'est que jusqu'à présent, quand il y avait des avancées technologiques, bien sûr, on se préoccupait du matériel. Bien sûr, en particulier dans le domaine de la défense, on se préoccupait de la ressource humaine disponible. Mais finalement, on travaillait par compartiment. Et on se préoccupait de trouver les quelques experts dont on avait besoin avec des matériels qui évoluaient, mais pas de façon si rapide que ça. Et c'était dans les systèmes d'information et de commandement, dans le domaine spatial, dans le domaine du nucléaire également. Il y avait bien sûr cette compétition, parfois, on va dire, salariale,
entre le domaine privé et le domaine public, mais le volume de la ressource me semblait exister au total. Et les problèmes, finalement, n'étaient pas tant que ça sur la place publique et restaient assez confidentiels. C'était presque des problèmes de niche. La différence aujourd'hui, effectivement, c'est que l'ensemble de la société est à risque. Et donc le sujet humain, la capacité à agir, nécessite une approche extrêmement différente. Nous n'avons peut-être pas trouvé toutes les solutions aujourd'hui. Je sais que, Pauline, que tu en es déçue, mais on va y croire. En tout cas, approche très différente, beaucoup plus ambitieuse. Et on parle beaucoup de All of Government Approach. Non, c'est une All of Society Approach, bien évidemment, d'où le titre de la séance aujourd'hui. Puisqu'on parle d'impact sociétal, j'invite ceux qui ne l'ont pas, pu le faire, à réécouter le discours de la ministre belge de la Défense hier, Ludivine Denonder, qui finalement a mis sur la table, qui nous donne une idée de l'ensemble des recettes qu'un gouvernement est obligé de mettre en place pour avoir une chance de s'en sortir. Et dans le cas français, on le mesure au travers également de la lecture de la revue nationale stratégique de 2022, avec un fort, c'est le cas de dire, très fort, effort sur l'esprit de défense et la résilience, et avec même un objectif stratégique, et l'objectif stratégique numéro 4, qui porte sur la résilience cyber de premier rang du gouvernement français. Ceci dit, en relisant cet objectif stratégique, ce que je trouve vraiment fascinant, c'est qu'on pourrait avoir l'impression qu'on ne parle que de capacités matérielles et on ne mentionne pas suffisamment les ressources humaines. Donc l'accélération, on l'a évoqué, c'est une accélération qu'on n'a pas connue jusqu'à présent. Et donc ça pose une vraie question de gouvernance. Et il n'existe pas de modèle. Acceptons le fait qu'il n'y a pas aujourd'hui de gouvernance qui donne la preuve qui nous assure le succès dans ce domaine. L'OTAN, l'Union européenne, chacun des gouvernements cherche aujourd'hui la recette. Oui, les forces vives de la cyberdéfense sont aujourd'hui dans le domaine privé, entre autres parce que la réactivité est dans le domaine privé, donc j'abonde dans le sens de Mario. Et un point, alors en fait on parle beaucoup de ressources humaines, on parle beaucoup de matériel, compétition entre domaine public et domaine privé, etc., pour finalement servir ces équipements, les faire fonctionner, faire de la défense, enfin être en mode défensif ou offensif, finalement ça importe peu. Et je me rends compte qu'il y a un sujet que l'on n'a pas abordé, qui est celui également de l'importance de la cross-pollinisation, si j'ose dire, parce que dans notre domaine, et en particulier parce que nous sommes en démocratie, il y a un sujet qui est important, qui est celui de la réglementation. Et ces échanges sont indispensables pour que nous mettions bien en place des réglementations qui nous aident, qui soient une force pour nous et certainement pas un handicap. Voilà, j'arrêterai là. Merci beaucoup, Henri. I'm going to switch back to English. Before I head to the floor, I'm going to ask a je voudrais poser quelques questions avant de vous redonner la parole. En fait, monsieur, vous avez dit que vous étiez en faveur d'un nouveau paradigme. Le fait d'accepter tout simplement qu'aujourd'hui les jeunes, et bon, l'âge est leur vieil, donc ne vont pas rester longtemps dans une organisation. Le mode, vous allez rentrer dans une entreprise, vous allez rester là toute votre vie, vous allez rester, non. Et c'est la même chose pour le secteur militaire et pour d'autres secteurs aussi. Mais je me demande quel est l'impact de ce nouveau modèle sur les opérations, sur la continuité et sur la résilience. Première question. Deuxième question. Est-ce que cela veut dire que comme résultat, on a besoin de recruteurs à plein temps? Et une autre question. Dans quelle mesure vos organisations travaillent avec le système d'enseignement? Les universités, c'est une chose, mais est-ce qu'on n'est pas en retard au niveau universitaire? Est-ce qu'on ne devrait pas aller à l'école? Oui, c'est vraiment... vous savez, j'ai des enfants de 9-10 ans, ils ne savent pas ce qu'est la cybersécurité, ils n'ont pas de cours de codage. C'est quelque chose de très grave. Et dans une organisation, comment faire pour la conscientisation et aussi pour pouvoir assurer votre propre continuité?
au niveau cyber. Merci. Thank you. Thank you so much for the question. Merci beaucoup pour la question. We need to build the pipeline of experts. Bien sûr, nous devons préparer les experts de 5, 10 à 20 ans à venir, en s'appuyant sur nos connaissances du monde d'aujourd'hui. Donc je pense vraiment qu'on doit être capable de réfléchir en dehors des sentiers battus et de répondre à ce défi auquel nous faisons face qui est d'une complexité exceptionnelle. Mais donc il faut trouver des solutions intelligentes, surprenantes. Et je vais vous donner un petit exemple. En Roumanie, nous voulons discuter évidemment avec les universités, les systèmes d'éducation pour améliorer les connaissances informatiques dès le plus jeune âge, mais nous voulons également répondre au problème de la rotation du turnover très rapide de ces experts. Et donc on travaille main dans la main avec l'industrie. Par exemple, nous donnons des contrats à des potentiel talent dans l'industrie pour que nous ayons des personnes talentueuses, des professionnels du cybernétique qui travaillent à temps partiel pour le gouvernement et l'autre moitié de leur temps pour l'industrie. Donc de cette manière, ils commencent déjà à comprendre ces deux mondes différents et tôt ou tard, ils pourront passer de l'un à l'autre beaucoup plus facilement. En effet, c'est ce type de culture, de compétences, de motivation, de temps passé, c'est cette attitude finalement dont nous avons besoin en cybersécurité, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de passer du secteur privé au secteur public très facilement, très souplement. Et donc on doit utiliser toutes les idées folles qu'on puisse imaginer pour que ce devienne réalité. Et donc il faut commencer quelque part et puis étendre ce projet pour finalement avoir des milliers d'experts par pays pour pouvoir répondre aux défis des 15-20 années à venir. Sinon, les jeunes générations d'aujourd'hui nous regarderont et diront « Vous n'avez pas fait votre travail, vous ne nous avez pas prévenus, vous ne nous avez pas formés. » Et donc ça m'inquiète, honnêtement. Donc j'aimerais vraiment qu'on mette en place toutes les idées folles qu'on puisse avoir pour essayer de voir si on trouvera une bonne solution. Je ne sais pas si ça marchera ou pas, mais je crois vraiment qu'on doit tout essayer. Merci beaucoup. Des idées folles de votre côté en République tchèque? Non, je n'en ai pas vraiment. Mais je voulais répondre à une partie de votre question, c'est-à-dire que se passe-t-il avec toutes ces personnes qui s'en vont et reviennent, cette rotation? Nous sommes très, tout à fait prêts, évidemment, de laisser partir ces personnes vers le secteur privé, vers l'industrie, parce que nous essayons de créer une certaine résilience. C'est l'ensemble de la société qui doit être visée. Donc si la défense perd ces personnes ne disparaissent pas, elles font toujours partie de la cybersécurité, elles continuent à travailler dans une industrie privée, elles construisent les infrastructures cruciales, donc cela fait partie de la résilience de notre société. Donc pour nous, ce n'est pas un problème de les voir partir vers le privé. Par ailleurs, certaines de ces personnes restent sur nos réserves, c'est-à-dire qu'ils participent à la défense en tant que membres de la réserve. Il y a une petite difficulté, c'est le temps de guerre. Évidemment, on ne s'attend pas à la guerre en Europe à court terme, mais si nous nous retrouvons en temps de guerre, eh bien ces personnes devront décider où ils travaillent. Travaillent-ils pour les infrastructures cruciales ou travaillent-ils pour les militaires? Donc, on essaye d'éviter d'avoir des personnes qui travaillent dans des, par exemple, des centrales nucléaires qui fassent partie également de la réserve parce que ce serait compliqué en temps de guerre de gérer cette situation. En ce qui concerne l'enseignement, nous essayons de mettre en place nos propres programmes. Donc, nous avons des universités de la défense qui ont des programmes de cybersécurité. Ils ne forment pas énormément de diplômés parce que lorsque vous rejoignez l'armée,
vous vous intéressez peut-être à des choses plus intéressantes, plus d'aventures peut-être. Quoi qu'il en soit, pour nos besoins, on reçoit environ 11 à 12 diplômés par an de ces universités. Le problème, c'est que ces programmes sont assez stricts et rigides. Mais le monde change très rapidement. Donc on doit être capable d'évaluer les changements nécessaires dans ces programmes parce que ces programmes devraient être modifiés constamment et ajustés aux nouveaux défis de l'avenir. D'accord. Alors, je vais peut-être vous permettre de répondre à certains de ces points. Alors, merci. Oui, je vais essayer de vous donner trois avis sur ce point. Tout d'abord, comme Henri l'a dit, c'est une approche qui doit s'appliquer à toute la société. Il faut que toute la société s'y implique, et c'est nécessaire. Je vais vous donner un exemple de la portée de ce changement. Si vous le comprenez, je ne suis pas... Si vous l'avez bien compris, je suppose que vous l'aurez vu, je ne suis pas de la génération Z. Donc, dans ma génération, on était très orienté vers certaines professions. Donc, quand je choisis mon université, il n'y avait pas de profil d'emploi qui correspondait à ceci. C'était vraiment dirigé vers un certain point. Par exemple, moi, je peux devenir expert en physique ou médecin ou journaliste ou avocat. Aujourd'hui, c'est plus possible. Pourquoi? Eh bien, aujourd'hui, si vous rentrez dans le système d'éducation, vous allez passer 5 à 15 ans dans ce système. Eh bien, on ne sait pas quels seront les emplois d'ici 15 ans. On ne peut pas vous le dire. Donc, c'est plus possible. On ne sait pas quelles compétences seront nécessaires à l'avenir. On ne connaît pas les différences qu'il y aura entre les journalistes, les avocats, etc. À l'avenir. Donc, aujourd'hui, il faut une autre approche. Une approche qui se concentre sur comment je gère l'information, comment je cherche, comprends, essayer d'appréhender l'information, quelles sont les compétences nécessaires pour avoir un esprit critique face à cette information. Et un autre domaine majeur, pour ma génération, eh bien, c'était de dire, voilà, je commence ma profession, je me lance dans une carrière et je dois garder ma carrière, mon emploi, en tout cas, pour aussi longtemps que possible. Aujourd'hui, la flexibilité d'emploi doit faire partie de même simplement de l'offre d'emploi. Et nos enfants doivent comprendre, être capable de travailler dans un environnement dans lequel ils vont changer d'emploi tous les 3 ans. C'est le type de perspective qu'on leur offre aujourd'hui. Donc on ne peut pas leur donner un système d'éducation, d'enseignement qui est fixé pour 15 ans. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Le monde est différent. Ce n'est pas le monde d'aujourd'hui. Donc d'un point de vue de la société, il va falloir y œuvrer ensemble en tant que gouvernement, en tant que dirigeant. Il y a un autre élément qui est très important également. Quand il s'agit de l'éducation nécessaire pour une organisation en particulier, eh bien, il y a certains domaines de la cybersécurité qui doivent être transversaux dans tous les emplois que vous avez. Par exemple, à l'OTAN, on ne peut pas avoir des personnes dans un poste, n'importe quel poste, qui n'y connaissent rien du tout aux bases, aux questions principales de la cybersécurité. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi l'un des programmes que nous avons mis en place, c'est de savoir comment on injecte la cybersécurité dans tous les programmes de formation que nous possédons. Que ce soit pour devenir officier ou analyste militaire ou, je ne sais pas, ou pour nos systèmes de contrôle financier. Quoi qu'il en soit, vous devez posséder une base de connaissances nécessaire pour être un bon citoyen de notre organisation. Et le troisième point que j'aimerais mentionner là-dessus, qui est lié plus au domaine individuel, eh bien, nous avons tous des ambitions, des besoins, des objectifs. Eh bien, une des choses à prendre en compte, c'est que ces objectifs
devrait s'adapter au fait que le monde change. Le monde change tous les ans, tous les deux ans, et ne plus prétendre à soi-même même que nous avons besoin de tel type de contrat, de sécurité financière, de sécurité géographique également. Ces aspects sont beaucoup moins pertinents aujourd'hui. D'un point de vue individuel, aujourd'hui, ce qui compte, c'est les valeurs de l'organisation que vous rejoignez. Donc vous devez vous poser des questions. Quelles sont les valeurs que vous voulez voir dans l'écosystème ou l'organisation que vous rejoignez? C'est ce qui est très important pour tous les chercheurs d'emploi aujourd'hui. Merci beaucoup. J'irais même encore plus loin. Je dirais que tout citoyen devrait avoir un certain niveau de base de cybersécurité. Et je pense que le secteur, de manière générale, est inquiète. Il a une mauvaise image. Les personnes ne savent pas très bien comment gérer tout ceci. C'est un peu comme dire j'ouvre le robinet à eau chaude et je ne me pose pas la question de comment arrive l'eau chaude, c'est juste de l'eau chaude qui est là. Donc c'est la même approche pour la société, ils veulent juste que ça fonctionne. Alors Henri, vous êtes vraiment impliqué dans le domaine de l'enseignement, donc qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer, combler ces fossés ? Oui, en fait, moi je retiens que nous sommes tous acteurs du sujet, donc là j'enfonce une grande porte ouverte, j'en suis bien conscient. Mais alors, on va simplifier en disant qu'il y a deux catégories d'acteurs. Du coup, il y a les experts, ceux qui manœuvrent, finalement, et puis il y a ceux qui doivent être éduqués. Donc, on en vient à awareness et compagnie. Et moi, je vais me permettre d'être assez optimiste, en fait. Je vais me permettre d'être assez optimiste, d'abord parce qu'on a besoin, et puis ensuite, parce que quand on regarde bien, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent qui nous incitent à être optimistes. La première chose, c'est que, sauf erreur de ma part, il y a un certain nombre d'experts, de spécialistes européens qui reviennent des GAFAM, qui reviennent en Europe, en fait, qui aspirent à défendre la démocratie, les démocraties. Alors, ça paraît peut-être pompeux de dire ça comme ça, mais d'abord, pour en avoir rencontré, ils le disent vraiment, ce qui me semble vraiment important. Alors, bien sûr, ils reviennent dans le secteur privé. Ok, j'admets. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, il y a peut-être moins d'attirance pour quelque chose de très lointain, de magique, la Silicon Valley ou je ne sais quoi. Et finalement, on peut s'éclater sur le théâtre européen. Voilà qui me semble important. Et donc le retour de ces experts, le retour de ces spécialistes, de ces figures de proue finalement du domaine cyber, pour moi, peuvent susciter l'intérêt pour servir également dans les gouvernements, dans des organisations internationales, dans des ONG. Et parce qu'on ne parle pas seulement du matériel, le côté humain est important, on fait appel à de l'agilité de l'esprit, de la curiosité, de la disponibilité. Donc voilà ce qui me semble vraiment une première chose importante, petit côté positif. La deuxième chose, c'est qu'il y a un effort considérable en matière d'éducation qui est fait, tardivement certes, mais qui est fait. Donc l'ANSSI, son directeur est intervenu ce matin. Je reste impressionné par tout ce qui est disponible en ligne aujourd'hui. Alors pour l'instant, il faut encore aller tirer cette éducation. Il y a une démarche volontaire, mais également le campus cyber, il y a tout un tas de démarches régionales. Donc misons là-dessus. Et enfin, et c'est vrai qu'en y repensant, personne ne l'a évoqué, mais j'aime bien prendre l'exemple de l'Ukraine. Alors, parce que l'Ukraine, au-delà du drame qui s'y déroule actuellement, l'Ukraine doit nous marquer, ou plutôt on doit revenir sur l'effort de transformation numérique de l'État en Ukraine qui a dû débuter vers 2016. Et c'est ça qui a permis à cette population, aujourd'hui, à l'État en général et à la population en particulier, d'être aussi résiliente. Et en fait, on sous-estime encore l'effort de transformation numérique, donc cette volonté de l'État d'imposer une éducation à l'ensemble de la population, quelles que soient les tranches d'âge, et ce qui a rendu cette population aussi résiliente aujourd'hui. Alors, encore une fois, quand on tirera les quelques enseignements de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, ça nous fera réfléchir, nous, sur l'importance d'imposer l'éducation. Je pense que dans l'idéal, il ne faudrait pas dire quand on réfléchira, mais plutôt maintenant qu'on y réfléchit.
je pense qu'on est peut-être même déjà un petit peu en retard. And to move back to English, I'm going to try and see in the room. Alors, je vais repasser à l'anglais. J'aimerais peut-être lever, que vous leviez la main si vous avez des questions. Je vois des questions ou pas? Donc, on a une question, deux questions. Pourrions-nous peut-être donner des micros? On va commencer avec monsieur ici, à l'avant de la salle. Right there in the front. Oui, voici à l'avant de la salle, nous avions quelqu'un. Je vais poser ma question en anglais. Merci beaucoup. Vous pouvez vous présenter? Bonjour, je suis un banquier. Je travaille dans dans une banque d'investissement, mais je suis dans la réserve militaire pour la cybersécurité en France. Donc, je me posais une question par rapport à comment garder les jeunes talents que vous formez, qui vous rejoignent, l'innovation dans le secteur privé et la cybersécurité de manière générale évolue tous les jours. Donc, pour ces personnes, comment les maintenons-nous leur niveau de performance? Parce que s'ils rejoignent une organisation qui est rigide, stricte, qu'ils y restent un an ou deux, s'ils n'ont pas un écosystème qui les aide à rester performants, avec des échanges, avec des pairs, des recherches, etc., peut-être qu'à un certain moment, ils vont se dire « Voilà, j'ai rejoint l'armée parce que je voulais défendre mon pays, mais je suis en train de perdre ma valeur, je ne reçois aucune formation, je n'arrive pas à garder mon niveau. » Et puis, deuxièmement, si vous gardez ces personnes sans leur offrir le bon écosystème, et là, je ne parle pas de la connaissance générale en matière de cybernétique, eh bien, vous allez garder finalement les moins bons, ceux qui ne veulent pas être performants. Je suis provoquant. Parce que face à vous, vous avez des Ukrainiens, des Russes qui se battent avec une guerre hybride, comme nous le savons, avec des jeunes qui ne viennent pas de l'armée. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Merci beaucoup. On va prendre la deuxième question directement, juste pour une question de gestion du temps. Donc, on va prendre deux questions et puis on va se poser la question de savoir comment on permet aux jeunes de garder, de se garder à jour et puis de comment choisir les bons et de ne pas et de se débarrasser des moins bons. George Bathurst, I'm a cybersecurity consultant. Oui, bonjour, je suis conseiller au gouvernement des Royaume-Uni et également volontaire auprès de la police lors des enquêtes en matière de cybercrime. Au Royaume-Uni, nous avons la sécurité par design, comme on l'appelle, c'est-à-dire qu'on refait la cybersécurité parce qu'on avait trop d'approches de cybersécurité plutôt que trop peu finalement, parce que si vous réfléchissez bien, tout le monde est un expert cybersécurité. Donc finalement, dès le début des projets, on demande aux gestionnaires de projet de mettre la cybersécurité au cœur. Donc ma question est celle-ci. Est-ce que ce serait possible de voir cette approche mise comme l'approche commune de toute l'OTAN? Merci beaucoup. Alors, je vais un peu changer l'ordre et donner la parole d'abord à Henri. Je vais en répondre surtout à la première question. Je pense qu'effectivement, les gouvernements reconnaissent les limites de l'exercice et le défi de conserver les pépites, peut-être dans le domaine cyber en particulier. Et c'est pour ça qu'en France en particulier, l'effort porte sur la réserve. On augmente le volume de réservistes, on augmente le vivier de réservistes, d'où les accords avec le monde de l'éducation, avec les entreprises, pour faire la promotion. Et je fais un peu le lien avec mon commentaire précédent, qui est l'appel à la conscience citoyenne et la nécessité de défendre les démocraties. Encore une fois, ça peut faire pompeux de parler comme ça, mais je suis persuadé qu'il y a une évolution des mentalités. Ceci dit, plus généralement, ça pose, dans le domaine particulier de la cyber, une question qui ne se posait pas jusqu'à présent, qui est celle de l'équilibre à trouver entre
l'État, et si je veux dire les armées ou les services régaliens d'un côté, et le privé de l'autre. Jusqu'à présent, dans la plupart des domaines, c'était la défense, en général, qui leadait, qui avait le lead, qui poussait le développement technologique, le domaine privé pouvant éventuellement en bénéficier. Là, les choses sont inversées. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est qu'attend-on de l'État dans cette affaire-là? Donc, ce n'est pas nécessairement de conserver les bad guys. Ce qu'on attend probablement de l'État, c'est plutôt d'avoir des gens qui sont capables de mettre en œuvre les moyens de défense, voire des moyens offensifs déjà connus, et en même temps d'être capable d'avoir une veille sur ce qui se passe dans le domaine technologique. Voilà. Mais il y a vraiment pour moi un renversement complet de l'approche de la relation ministère régalien domaine privé. Colonel, vous voulez peut-être répondre à cette question et puis répondre également à la question de notre ami britannique de l'approche sécurité par design, donc dès sa conception. Alors, vous me parlez vraiment d'une manière que j'apprécie beaucoup parce que, bien sûr, il y a une approche qui serait d'attirer les jeunes dans les rues et de les former, mais la plupart des gens veulent une carrière. Et l'armée, c'est une hiérarchie. Soit vous montez les échelons, soit vous partez. Donc c'est très difficile de garder quelqu'un dans une position pendant 2 ou 3 ans parce qu'ils veulent être promus. Et alors, si vous êtes promu, eh bien, vous perdez vos compétences techniques. Vous devenez un gestionnaire, un manager, et on n'aime pas ça. Donc on essaye de fournir des formations, des cours, que ce soit chez vous ou à l'étranger, on envoie les personnes pour différentes raisons afin de les motiver à rester. On essaye de créer un réseau également pour rencontrer d'autres personnes, d'autres organisations, d'autres régions, pour que nos membres puissent voir quels sont les problèmes non seulement dans nos organisations mais également à l'extérieur. Évidemment, le secteur privé va bien plus vite, ils investissent beaucoup plus, mais en général, ceux qui restent à l'armée, ce n'est pas pour l'argent qu'ils le font. Je pense que ça a déjà été mentionné plusieurs fois. Donc j'ai beaucoup apprécié votre approche parce que vous me croyez ou pas, il y a encore des personnes qui lancent des projets et lorsque le projet est conçu, ils se disent « Ah, ben maintenant il va falloir y mettre de la cybersécurité ». Et on leur dit « Oui, d'accord, mais alors il faut recommencer depuis zéro. Il va falloir recommencer depuis le début, tout refaire pour qu'il soit sûr d'un point de vue cybernétique. Donc votre idée est très bonne. Je pense que c'est maintenant tous les gestionnaires de projets qui doivent comprendre que quand on lance quelque chose, que ce soit une nouvelle arme, quelque chose d'informatique, parce qu'on parle du militaire ici, donc toutes les armes sont connectées aujourd'hui, tous les détecteurs sont connectés, donc il faut que la cybersécurité soit prise en compte dès le début d'un nouveau projet. Alors l'enseignement, l'éducation pour nos dirigeants, pour les managers, au niveau de l'armée, pour les généraux, c'est un des aspects clés auxquels nous devons répondre. Et d'ailleurs, je vous remercie de votre question qui était très intéressante. Merci. Dame ? Alors, je vais peut-être vous donner ma petite contribution à cette discussion. En ce qui concerne la sécurité par design, donc de sa conception, eh bien, je pense que c'est un défi pour nous tous. Il y a cette approche traditionnelle, c'est-à-dire quand on va devoir passer du réactif au proactif en matière de cybersécurité. Donc arrêtons de penser que nous devons patcher, répondre aux problèmes. Non, 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 c'est fini. Il va petit à petit, il va falloir comprendre qu'on doit mettre les choses en place dès le début, se montrer proactif. Et jusqu'à aujourd'hui, on est toujours dans l'ancien paradigme. On observe des problèmes et on n'en tire pas les leçons. En tout cas, pas suffisamment. J'aimerais vous partager quelque chose qui s'est passé ce matin. Ce matin, une jeune personne est venue me voir, un jeune homme, qui a vu que j'avais un badge vert, et donc il s'est dit, c'est un orateur, il connaît tout. Et il m'a demandé si je connaissais les entreprises qui pouvaient lui présenter
prompt engineer. Les carrières de prompt engineer, donc les ingénieurs en prompt, et je ne savais pas très bien ce que c'était, il m'a expliqué rapidement. Apparemment, c'est un ingénieur qui sait comment discuter avec ChatGPT. Et c'était ça la question. Je lui ai dit, est-ce que vous vous rendez compte qu'on est dans un forum de la cybersécurité? Et il m'a répondu, oui, non, mais c'est ça qui m'intéresse, parce que ça doit exister quelque part, ça. Alors, évidemment, je n'ai pas pu lui répondre, je n'ai pas pu lui dire à qui il devait parler, mais cela m'a fait réfléchir. Nous sommes très naïfs. Nous ne sommes pas prêts. Pas prêts à ce qui est en train de se dérouler en ce moment même. Les choses sont en train de changer et on est toujours en train de penser comment résoudre des problèmes du passé. Alors que la nouvelle génération sait déjà où elle veut aller. Exactement et précisément. Et donc moi j'ai peur que peut-être, en tant qu'organisation, en tant qu'écosystème, nous ne soyons pas assez attirants, assez cool pour eux. Et donc, pour conclure là-dessus, peut-être qu'on doit être capable d'arrêter d'être en concurrence entre organisations et de commencer à réfléchir à comment améliorer l'écosystème dans son ensemble, intégrer les écosystèmes tchèques, de l'Union européenne, de la France. Il faut que tout cet écosystème devienne sexy, intéressant, cool. Il faut arrêter d'être en concurrence l'un avec l'autre, arrêter de répondre, d'essayer de résoudre les problèmes du passé, parce qu'aujourd'hui, on travaille toujours de manière silotée, je vais vous le dire clairement, on essaye d'améliorer les choses pour notre propre organisation, je ne pense pas aux autres. Donc tant que nous prendrons nos décisions de cette manière-là, que nous continuerons à réfléchir de la sorte, nous ne répondrons pas à ce défi et nous aurons ces personnes qui viendront nous voir pour nous demander comment devenir ingénieur en prompt. Et je suis sûr que personne ne l'oubliera. Merci beaucoup. Donc je vais proposer à mes collègues de préparer un forum sur cette nouvelle profession pour l'année prochaine. Alors pour revenir un petit peu sur cette question de la coopération, de comment mieux coopérer, de moins avoir une approche silotée, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'on n'a pas vraiment encore déjà compris qu'on est aussi fort que finalement l'ensemble de l'écosystème qui est aujourd'hui peut-être mondial d'ailleurs? Et donc je me pose cette question, pourquoi est-ce si difficile de changer d'attitude? Mais Mario, peut-être que vous vouliez répondre d'abord aux questions qu'on a posées. Alors très brièvement, la question à votre question, je dirais oui. Ça, on n'a pas encore compris. Et c'est peut-être un des principaux problèmes auxquels nous faisons face en tant que dirigeant aujourd'hui, c'est-à-dire comment nous mettons en avant la coopération dans tous les domaines. La coopération civile-militaire, c'est une thématique majeure. On veut faire changer les choses totalement dans les années à venir. La coopération entre l'industrie et les entités gouvernementales, c'est tout à fait fondamental. Tirons les leçons de la guerre en Ukraine. La plupart des réussites de l'Ukraine en tant qu'un pays, en tout cas des résultats qu'ils ont pu atteindre, ont été soutenus par l'industrie, les acteurs privés, par la préparation qui s'est déroulée avant, dans les années avant la guerre. Et il y a une troisième dimension, la coopération entre les gouvernements dans les organisations intergouvernementales. C'est un autre problème qu'on doit résoudre dans beaucoup d'organisations. On pense d'abord à la nôtre, et je parle de ma nation, mais aussi des autres pays. Et donc, dans la plupart des pays, il y a plein de petites agences, de petits gouvernements, d'entités qui ont un rôle essentiel à jouer dans la protection des infrastructures critiques d'un pays ou dans la réponse à des événements ou dans la compréhension de comment un malware a été créé. Mais on n'en sait pas assez, on ne sait pas où se trouvent les talents
dans la périphérie de l'organisation. Et je voulais revenir à autre chose. C'était la question qui nous a été posée sur la sécurité par dès sa conception, donc la sécurité by design, comme il l'appelle. Eh bien, c'est pour moi un principe fondamental, mais qui doit être ensuite séparé en différents composants. Quand vous lancez un projet, il faut avoir différents domaines dans votre projet. Il faut la cybersécurité, la sécurité, et tout ceci doit être intégré. Par exemple, dans l'architecture. On ne peut pas changer l'architecture d'un système une fois qu'elle est déjà bien avancée. Et pourtant, aujourd'hui, on continue à construire des systèmes sans penser à la cybersécurité dès le début. Donc on n'a pas cette culture de mettre la cybersécurité comme base de référence de toute construction, de toute structure. Quel que soit le système qu'on met en place, que ce soit un système qui vous montre votre menu dans votre cuisine, eh bien, il devrait y avoir dans les exigences de conception, dans les manuels, et d'ailleurs KitchenAid a eu un réel problème. On l'a vu dans les médias il y a peu de temps, donc il n'y a rien de caché là-dessus. C'était un logiciel open source donc, qui a eu un problème. Donc, quoi qu'il en soit, un système, avant d'être produit, il doit être accrédité, il doit être révisé et il doit être en conformité. Il doit être certifié. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans toute organisation gouvernementale, pas seulement la défense. Et donc, cela doit être pris en compte dès le début. Donc, on ne peut pas, 5 ans plus tard, dire « Maintenant, il faut accréditer ce produit-là. » Non, ça ne fait pas comme ça que ça fonctionne. Troisièmement, il faut aussi qu'il y ait des formations pour les opérateurs. Vous ne pouvez pas concevoir un système, mettre ça en application, mettre ça en production, et les gens ne savent pas comment l'utiliser et comment le faire fonctionner de façon sécurisée. Ce que j'essaie de dire, c'est ceci. Security by design, donc la sécurité intégrée dès la conception, il y a certains points d'attention qu'il faut prendre en considération. Il y a différentes initiatives. Hier, le commissaire a parlé des compétences en cybersécurité. Une autre initiative, ce sont les programmes de certification, d'homologation pour mettre une sorte de cachet de cybersécurité sur les produits de l'Union européenne. Toutes ces initiatives doivent faciliter d'une certaine façon la sécurité dès la conception. Chaque organisation doit comprendre comment faire fonctionner un projet où on prend en considération la cybersécurité dès le départ, pour toutes les dimensions. Il faut veiller à avoir un niveau adéquat de cybersécurité. Et je termine ma réponse pour répondre à ce monsieur. Ce que vous avez décrit, c'est le concept de la culture organisationnelle dont je parlais. Ce qui est important, afin d'avoir des personnes sur le marché et vraiment de les garder, c'est la culture de l'organisation. Et cette culture est composée de différents éléments, les outils, l'ordinateur sur votre bureau, votre collègue qui est assis à côté de vous, votre chef, les personnes de votre équipe. Voilà les composants de votre culture d'entreprise. Si on continue à avoir des processus opérationnels et de recrutement qui ont été conçus il y a 30 ans avec les gens d'aujourd'hui, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas aller très loin. Merci beaucoup. Peut-être encore un autre tour de questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui, tout au devant de la salle et peut-être à l'arrière. Oui, on va peut-être commencer avec la personne qui est à l'arrière de la salle parce que le micro est tout près. Allez-y. Est-ce que vous voulez vous présenter? Je vous demanderai d'être bref parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Le micro, oui. Je viens de Bouygues Telecom. Je travaille sur la gouvernance et la gestion des risques. Vous avez dit qu'il n'y a pas de gouvernance en Europe et on ne peut pas s'attendre à en avoir une.
comment est-ce qu'on se prépare pour une attaque contre l'Europe? Est-ce que nous avons des exercices cyber entre les pays qui coopéreraient pour la défense ou de façon offensive si nécessaire? Merci beaucoup. Ici à l'avant de la salle, oui, merci. Hello, I'm Federica Marino. Federica Marino. Je suis conseillère politique à l'OTAN. Vous venez du niveau national et international. Et vous dites qu'il y a une pénurie de talents. Et la personne ne va pas rester dans la même carrière toute sa vie. Considérant vos liens avec des organisations multilatérales, est-ce que vous pensez qu'il est faisable d'avoir des processus plus simplifiés pour justement simplifier la rotation du personnel entre les pays et les organisations? Comment faciliter ce processus? Par exemple, à l'OTAN, nous avons les contributions volontaires nationales. C'est juste du personnel temporaire qui peut venir d'une nation vers l'organisation. Est-ce qu'il y aurait d'autres possibilités? Est-ce que vous auriez de nouvelles idées? Voilà ma question. Merci. Moi, je vais aussi ajouter ma question. Je fais partie aussi d'une organisation qui s'appelle les femmes et la sagesse dans une organisation. Bon, il n'y a pas beaucoup de femmes ici, mais il y en a quelques-unes dans la salle. Et si vous marchez ici, il n'y en a pas beaucoup non plus. Nous nous coupons de la moitié des talents, il me semble. Ce n'est pas seulement une question de diversité de genre, c'est aussi des blancs. Et comment est-ce qu'on met à ce que nos institutions représentent les citoyens? Oui, Henri, peut-être la première question était pour vous, la question de la gouvernance. Merci. Je pense que nous n'avons pas dit qu'il n'y avait pas de gouvernance. Je pense qu'on a plutôt mis en évidence les questions qui se posaient. En revanche, il y a des défis de gouvernance à relever, il y a des choses qui se mettent en place. La question que vous avez soulevée est celle de la résilience, au sens large, hein, et celle de la définition de la responsabilité entre État et organisation. Et je vais plus loin, c'est-à-dire à quel point faut-il que les organisations collectives soient prescriptives ou incitatives dans le domaine de la résilience? À quel point sommes-nous prêts à autoriser l'intrusion de, je sais pas, de l'OTAN, de l'Union européenne, de toute autre organisation dans notre propre façon de travailler? Là, c'est une question vraiment, si je veux dire, ouverte, en tout cas, un point extrêmement difficile à régler. À titre personnel, vraiment personnel, je suis contre trop d'intrusions, trop de prescriptions de la part des organisations. En revanche, les organisations doivent être capables d'identifier très tôt les points faibles, les maillons faibles de leur organisation. Sachant que cette question, on se la pose là parce qu'on parle de cyber, on parle de résilience. On peut être amené à se poser exactement la même question quand on parle de développement capacitaire en général dans les organisations. Faut-il être prescriptif ou incitatif? Et quant aux affaires de talent, donc je ne sais pas tout, mais je crois beaucoup à, on va dire, la cross-pollinisation entre organisations. Et donc on est vraiment sur un état d'esprit en matière de gestion des ressources humaines. Et là, chaque État a sa propre culture et ça évolue très, très lentement. Would you like to come in? Est-ce que vous voulez faire des commentaires? Oui. Moi, j'aimerais revenir à la question concernant la gouvernance.
L'OTAN, plus particulièrement, développe des capacités et l'exercice qui s'appelle la coalition cyber, c'est juste au début du mois de décembre, avant Noël. Il y a des exercices à l'OTAN et où on exercice les capacités. Bon, l'OTAN, ce n'est pas juste l'Europe, bien sûr, c'est aussi en dehors de l'Europe. Et l'Union européenne et les capacités militaires sont derrière les capacités de l'OTAN. Mais effectivement, nous faisons des exercices de défense régulièrement. Ce n'est pas le seul exercice. Je crois que dans le domaine civil aussi, il y a des entreprises civiles et institutions qui participent à ces exercices. Pour ce qui est des talents, c'est très difficile pour les femmes dans le domaine cyber au niveau technique. Je sais et j'ai vu la concurrence cyber. Nous avons notre dernier tour au mois d'avril. Il y a peu de dames dans l'équipe, il y en a, mais je crois qu'on doit commencer dans les familles. Moi-même, j'ai deux filles, aucune d'elles ne s'intéresse aux questions techniques. Elles ne travaillent pas trop sur les ordinateurs. Elles aiment les mathématiques, mais elles n'aiment pas trop les ordinateurs. Il faut encourager les gens dans la famille. Et l'école secondaire et l'université, c'est trop tard pour que les dames commencent. Il faut vraiment commencer très tôt. Pour nous, nous avons 40% de femmes dans notre quartier général. Mais si je regarde le personnel technique, c'est beaucoup moins. C'est à peu près 10% de femmes et nous avons demandé à... donc, il y a... récemment, on a une femme commandante, mais il y a beaucoup moins de femmes, effectivement, dans le domaine technique. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des femmes que je vois ici sont jeunes, donc c'est peut-être une question de génération. Oui, Mario? Beaucoup a déjà été dit. Je voudrais insister sur quelques points, si vous me le permettez. L'OTAN vraiment fait beaucoup d'exercices. Au cours de ces 40 dernières années d'opération, la plupart du temps, en fait, passer par le personnel, c'est vraiment apprendre des exercices. Pour ce qui est de la question cyber, on a fait deux exercices cyber, les lock shields et un autre exercice. Et au cours de ces trois dernières années, c'est d'injecter des éléments cyber dans n'importe quel exercice que l'on fait. Par exemple, de grands exercices, le Steadfast, ce sont des exercices où des véritables troupes bougent. Donc, il y a des bateaux, il y a des avions. Et là, à partir d'il y a deux ans, on a une composante cyber très forte dans ces exercices. Et puis, on a aussi des exercices types qui concentrent la chaîne de commandement. Comment est-ce que vous contrôlez, commandez les opérations? Là, cela concerne surtout le leadership, la gestion de l'organisation. Ces exercices, désormais, sont concentrés, sont axés fortement au niveau cyber. Il y a quelques semaines, on a fait un exercice et pendant les travaux de l'Alliance Nord-Atlantique, l'exercice était basé sur un scénario cyber. Donc, nous ressentons l'importance de la dimension cyber au sein de l'organisation. Alors, est-ce que c'est suffisant? Probablement pas, parce qu'il y a beaucoup de domaines encore cyber où on devrait comprendre davantage les choses et faire plus d'exercices. J'en parlais dans ma réponse précédente. Par exemple, le fait de
de collaborer avec le privé et les civils. Oui, Lockshield, par exemple, est très, très fort et on doit faire davantage. Il y a un élément de compréhension, comme disait aussi Pauline, l'inclusion de la dimension genre. Oui, c'est aussi une question récurrente. Comment cela affecte les processus de décision, l'exécution des opérations. Pour vous dire que toutes ces dimensions sont, si vous voulez, injectées dans notre travail quotidien. Je voudrais revenir à ce que disait monsieur concernant la gouvernance et l'incidence. Je ne sais pas si je dois dire la chance ou la malchance. Au cours de ces 10 dernières années, j'ai suivi quelques incidents en Europe. Lorsqu'on a eu le premier incident cyber en 2006, en fait, l'OTAN n'était pas préparé. On savait au sein de l'organisation, on travaillait sur les processus de sécurité, mais la question cyber était vraiment très, très loin de nos réflexions. Un autre exemple, donc en été 2016 et 2017, il y a eu des campagnes malware très, très importantes sur l'ensemble de l'Europe. Alors, c'était aussi aux nouvelles. On était mieux préparé qu'en 2006 et 2008. Mais ce n'était pas encore parfait. Il y a eu beaucoup d'améliorations depuis lors. Hier, le commissaire a parlé d'une nouvelle loi cyber qui va être introduite. Une s'appelle la loi concernant la cyber-résilience. Comment est-ce qu'on peut réagir dans le contexte européen? Tout ça pour vous dire que beaucoup a déjà été fait dans les essais gouvernementaux pour augmenter notre niveau de préparation. Est-ce que c'est suffisant? Certainement pas. Et c'est pour ça qu'on est là, pour en parler. Il faut vraiment que l'on fasse beaucoup plus. Ah, désolé. Si ça vous va, on va donner la parole à monsieur, on va terminer. Très, très brièvement, je veux revenir à la question que vous avez posé sur les idées, ce qu'on fait. Alors, quelques réflexions que je voudrais partager avec vous. La cybersécurité, et beaucoup d'organisations décident que cela a beaucoup de coûts pour l'instant, mais celles qui réussissent, et beaucoup sont là, elles ne voient pas ça comme des frais, mais comme une grande opportunité et un investissement. Donc, tant qu'on continue à voir le cyber et l'aspect humain, l'élément humain de la cybersécurité comme un frais, on ne va pas réussir. Dès qu'on se dit, voilà, pour le retour sur investissement, il faut d'abord investir et il faut investir dans les personnes, dans les talents, dans le domaine de la cybersécurité, probablement, c'est là qu'on aura le plus de bénéfices pour la société, les entreprises, le gouvernement, pour nous tous en tant que citoyens, décideurs politiques. Dès qu'on réalise cela et que de façon systématique on travaille avec cet état d'esprit, parce que c'est un état d'esprit, et qu'on collabore et qu'on essaie de faire quelque chose. Second answer to this question. If there were no financial, administrative or political considerations, alors, s'il n'y avait pas d'autres considérations, quelle est l'idée que vous commenceriez à mettre en œuvre? En fait, je veux des cerveaux. Oui, des cerveaux. Voilà. Moi, je changerais la façon dont on fait le recrutement et la façon dont on fait la formation dans l'organisation. Et en fait, il ne faut pas se baser sur les frais, mais sur les bénéfices. Oui?
L'argent, ce n'est pas la question. Ce sont les personnes, le cerveau, les talents. Vous ne pouvez pas l'acheter. En fait, c'est pour les gouvernements, ce sont des questions législatives, administratives, et comme l'a dit monsieur, nos processus de recrutement, ça demande trop de temps. Et avant de recruter une personne, quelqu'un d'autre la recruter, cette personne-là. Donc beaucoup de... Comme je n'ai pas de badge vert, je ne sais pas tout, donc je... Plus sérieusement, en fait, on est bien conscient du fait qu'il y a un foisonnement juste incroyable. Il y a une approche bottom-up du sujet jusqu'à présent avec une technologie qui finalement arrive de multiples petites entités. Et ce que j'attends, ce que je souhaite, c'est bien une implication beaucoup plus évidente des gouvernements, des organisations pour soutenir, cadrer l'exercice dans tous les domaines, hein, que ce soit le recrutement, le développement technologique, etc. Et c'est ce que je retiens également des interventions des officiels hier. Voilà, on a vraiment besoin de ça pour réconcilier le bottom-up et le top-down. Merci. En bon français. Merci beaucoup. I'd like to thank all my panelists. Je voudrais vous remercier tous. Merci à la salle pour vos questions. Un grand merci à l'équipe qui a organisé cette rencontre. And it remains for me to tell you. Et juste vous dire, voilà, une belle journée.